Cher e-public, on va parler d'e-public ce soir. Merci d'être avec nous ce soir pour ce café scientifique qui est consacré à la thématique de l'open access. Alors bien évidemment que nous aurions souhaité qu'il prenne une forme un petit peu différente puisqu'il était prévu qu'il se déroule dans la salle du Nouveau Monde. Ma foi, on va essayer de tirer le meilleur parti de cette forme virtuelle. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas mécontente de pouvoir porter des baskets, puisque vous ne les voyez pas, et de ne pas être obligée de me déplacer avec des escarpins de 10 cm de hauteur. J'imagine que pour certains d'entre vous, ce soir, il est assez agréable de rester chez soi alors que la météo n'est pas très engageante. Et je tiens à dire à ceux et celles qui seraient déçus de ne pas avoir une bonne excuse pour prendre l'apéritif en milieu de semaine à 6 heures, que rien ne vous empêche de vous installer confortablement devant votre écran et de vous servir une petite bière ou, comme c'est mon cas, un petit vin chaud, par exemple. Ce café scientifique est consacré à la thématique de l'open access. Il est organisé par l'Université de Fribourg avec le soutien technique du Nouveau Monde, que je remercie au passage. Avec en toile de ou pour toile de fond la question suivante, est-ce que la science est un bien commun? Pour répondre à nos questions et élaborer sur cette question, quatre invités, expertes et experts, ont accepté d'être là avec nous. Je vous les présenterai dans un petit instant, mais tout d'abord, j'aimerais vous dire à vous, chers e-public, que cette soirée, c'est la vôtre. Elle se nourrit intégralement de vos questions, de vos remarques, de vos anecdotes aussi, qui serviront de fil rouge, ou qui nous serviront de fil rouge pendant plus d'une heure. Donc, n'hésitez pas à poster des commentaires, des questions, des remarques sur Facebook, donc dans le champ de commentaires qui apparaît sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez utiliser le canal SMS ou WhatsApp en faisant le numéro 079, vous le voyez à l'écran apparaître, 079 796 22 15. Et puis, c'est moi qui me chargerai ce soir de relayer vos questions à nos invités qui y répondront. Donc, je vous dis d'ores et déjà à vos claviers, notre centrale, on va dire, est ouverte. Et du coup, pour commencer, c'est moi qui vais poser quelques questions à nos invités. Et je pense qu'il est intéressant de préciser de quoi on parle ce soir. Bernard Ries, je commence avec vous. Vous êtes vice-recteur de l'Université de Fribourg en charge du dossier et de la thématique de la digitalisation. Et dans ce contexte-là, vous êtes aussi, enfin, c'est vous qui portez au fond le projet Open Access pour l'Université de Fribourg. Je vous pose la question, la plus basique, peut-être la plus complexe qui soit. Quand on dit Open Access, au fond, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, Open Access, tout simplement, veut dire accessible à tout le monde, sans frais. C'est-à-dire on veut garantir un accès gratuit, sans restriction et sous forme numérique aux résultats de la recherche, comme les articles scientifiques ou les livres. Et l'idée de base étant de faire en sorte que la littérature scientifique soit disponible en ligne sans barrières qui sont liées à des prix. Je passe à vous, Angélique Beauchung. Vous êtes la toute nouvelle directrice de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que l'open access est une thématique qui est importante, actuellement bien sûr? Oui, alors je dirais qu'il y a trois éléments importants pour moi. Donc bien sûr, le premier c'est l'accessibilité et la visibilité de la recherche. À savoir que du moment que la littérature scientifique est librement accessible, ça signifie que elle est accessible aux citoyens qui la financent par leurs impôts. Et puis, elle est aussi accessible pour les pays qui peut-être n'ont pas forcément les moyens de financer des accès très onéreux à des revues scientifiques online.
Le deuxième élément, c'est le fait de stopper l'augmentation quasi exponentielle des coûts liés à l'accès des revues scientifiques en ligne, à savoir que les gros éditeurs scientifiques font des marges plus importantes que les GAFA. Donc, c'est vraiment un business énorme qui se joue pour la plus grande partie sur le dos des institutions publiques. Donc, l'idée, c'est de renverser un petit peu la tendance et puis de juguler ces coûts qui sont assez importants. Et puis, troisième axe qui est aussi très important selon moi, c'est de permettre aux scientifiques de conserver les droits qui sont liés à leurs propres travaux, à savoir que dans les modèles de publication traditionnels, généralement, les éditeurs demandent aux auteurs, donc aux chercheurs, de transférer leurs droits, souvent de façon exclusive, aux éditeurs, et donc ils n'ont plus la maîtrise sur leurs propres travaux. Avec l'open access, on renverse les choses et les auteurs peuvent garder les droits sur leur production scientifique. Donc, c'est très intéressant, à la fois pour le lecteur, mais aussi pour les institutions et les chercheurs. Alors, je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ces trois aspects un petit peu plus en détail plus tard. Michael Ingartner, bonsoir. Et merci aussi à vous d'être avec nous ce soir. Vous êtes président du Conseil des écoles polytechniques fédérales, ancien recteur de l'Université de Zurich. Selon vous, quels sont les principaux défis et écueils qu'on rencontre lorsqu'on défend, au fond, l'open access actuellement? Alors, il y a toute une série de défis dans cette transition. Je vais en mentionner deux pour commencer. Le premier défi, c'est la question du financement du système de publication scientifique. Alors, dans le bon vieux temps, on payait pour lire. Alors, vous allez à la bibliothèque de l'Université de Fribourg, qui s'est abonné pour une revue scientifique, et tous les mois, vous obtenez un numéro et vous lisez. Maintenant, si la lecture est gratuite, la question se pose, comment l'éditeur défraie-t-il ses coûts? Et évidemment, il y a plusieurs solutions possibles. La solution la plus fréquente, c'est que ce sont les auteurs dans le nouveau système qui paient. Alors, il y a un transfert, si vous voulez, du budget ou des coûts de la bibliothèque aux chercheurs eux-mêmes. Et dépendamment de l'institution, les coûts peuvent être plus hauts ou plus bas, mais aussi, il faut les changer de place. Et ça, c'est un transfert. Alors, la plupart des chercheurs, initialement, n'ont pas de budget pour les publications. Alors, il y a un défi là. Et comme Mme Bochou a dit, il se peut aussi très bien que vous ayez des auteurs dans des régions de ce globe qui n'ont pas des budgets suffisamment élevés pour pouvoir payer les frais de publication. Alors, il faut avoir un système d'équilibration là. Le deuxième défi considérable, je le vois au point de vue du ce que j'appelle contrôle de qualité. Alors, dans le bon vieux temps, les éditeurs, ils faisaient leur argent en vendant le plus d'abonnements possible. Ils avaient alors un intérêt à avoir des revues avec des contributions qui étaient de haute qualité pour que les gens disent « Ah, cette revue, elle contient beaucoup de contributions intéressantes, je veux m'abonner. » Maintenant, si ce sont les auteurs qui vous paient, ce n'est plus la qualité, mais c'est la quantité des publications qui devient la variable intéressante. Plus les gens publient chez vous, plus ils vous paient, plus vous faites de l'argent. Alors, il y a un disconnect entre l'intérêt initial d'avoir des contributions de haute qualité. Maintenant, dans le nouveau monde, vous n'avez pas vraiment un intérêt à avoir une publication de haute qualité. Les auteurs vous paient autant que ce soit une publication qui donne un prix Nobel ou que ce soit quelque chose de tout à fait normal ou même banal. Et ça a généré ce qu'on appelle le phénomène des revues prédatrices, des revues qui essentiellement ne font plus le contrôle de qualité, publient tout ce qu'on leur donne parce que c'est le système qui leur permet de générer le plus de revenus. Et le système qu'on avait, le contrôle de qualité qui jusqu'à maintenant était assuré dans la phase de publication, elle n'existe plus dans ces journaux.
dans ces publications. Et ça, c'est un système pour le système en entier, parce que on commence à se poser la question, oui, c'est publié, mais qu'est-ce que ça vaut d'être publié? Alors, je pense que ce sont deux questions vraiment difficiles à répondre. Le monde scientifique y travaille, mais on est encore en train d'y travailler. On n'a pas trouvé la solution finale encore. Voilà, je pense que si la solution finale avait été trouvée, on ne serait peut-être pas là en train d'en discuter ce soir. Nous aurons l'occasion là aussi de revenir sur plusieurs des points très intéressants que vous avez soulevés. Véronique Dazen, bonsoir à vous aussi. Vous êtes professeure d'archéologie classique à l'Université de Fribourg. Alors, ce que j'aimerais vous demander à vous, en guise d'introduction, c'est quels sont les enjeux spécifiques aux sciences humaines dans tout ce débat sur l'open access, dont vous êtes une fervente adepte. Hein. Tout à fait. Je dirais qu'ils sont doubles, mais c'est valable aussi pour les autres disciplines. Il y a d'une part le besoin de faire circuler très rapidement ces résultats de recherche, de les faire connaître à la communauté académique de manière large. Et puis, d'autre part, c'est d'accéder aux résultats des autres pour les intégrer dans un savoir en construction. Donc, il y a les deux mouvements, accéder et rendre visible. Et ça, je pense que c'est aussi bien pour les sciences humaines que pour les autres domaines. On aura peut-être l'occasion d'en parler en sciences humaines. On a des sujets plus délicats, comme le droit des images, qui peuvent rendre l'open access compliqué, mais on en parlera plus tard. Très bien. Peut-être une petite question, puisque je suis journaliste alors et que je travaille beaucoup avec l'actualité, mais justement, quelle est l'actualité en termes d'open access? Est-ce qu'il y a eu des développements récents, des étapes importantes franchies récemment? Je laisse la question ouverte. Qui souhaite y répondre? Alors, je pense qu'il y a Monsieur Riss. Allez-y. Et alors, je pense que déjà une étape importante était en 2017, lorsque Swiss Universities a mis en place une stratégie nationale open access. Et après, les universités ont dû suivre. Donc, chaque université est en train de développer ou a déjà développé une stratégie open access et a commencé vraiment à accompagner ses chercheurs dans cette voie-là pour rendre les publications disponibles gratuitement. Il y a également d'autres étapes comme les négociations avec les grands éditeurs qui ont eu lieu entre Swiss Universities et ces maisons d'édition qui ont justement amené à deux contrats du type Read and Publish cette année et qui permettent donc aux chercheurs suisses de publier auprès de deux grandes maisons d'édition en open access. Après, il y a d'autres négociations qui sont toujours en cours. Donc, il y en a certains autres accords qui vont venir en 2021. Mais voilà, c'est un processus qui prend du temps. Et je pense qu'avec le but que Swiss Universities a mis d'avoir 100% des publications en open access en 2024, ça montre qu'il nous faut encore un peu de temps pour arriver à ce but. De parler, Monsieur Riss. Madame Dazen, je vous donnerai la parole tout de suite. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'Université de Fribourg dans la discussion autour de l'open access? Alors, pour l'Université de Fribourg, on a mis en place depuis quelques années déjà un groupe de travail Open Science. Donc, c'est un groupe de travail qui ne s'occupe pas seulement de la question de l'open access, mais de l'open science de manière générale, entre autres de Open Research Data, donc de mettre à disposition gratuitement aussi les données de recherche. Et donc, ce groupe de travail regroupe des chercheurs et des bibliothécaires de différentes facultés pour se pencher justement sur toutes les questions qui sont liées à cette thématique. On a mis en place un fonds open access qui permet de soutenir financièrement les chercheurs qui aimeraient publier leurs articles en open access. Le rectorat vient d'approuver cette année une politique open access. Et maintenant, les prochains pas, ça va être d'organiser des actions, des activités précises au sein des différentes facultés pour faire vivre cette politique par les chercheurs, puisqu'avoir une politique écrite noir sur blanc, c'est une chose, mais la faire vivre vraiment par la communauté scientifique, c'est encore autre chose.
Et ça, c'est dans les prochains mois, dans les prochaines années, notre but, c'est d'accompagner vraiment les chercheurs pour mettre en œuvre cette politique qu'on a développée. Madame Dazen, vous souhaitiez intervenir? Oui, c'était juste pour dire que parmi les changements qu'il y a eu au sein du Fonds national suisse et au sein du monde de la recherche en général, est entrée en vigueur l'obligation de rendre open access les résultats d'une recherche financée par les fonds publics. Et ça, c'est très important. Il y avait une première étude financée par le Fonds national entre 2014 et 2017 qui a montré que l'open access améliorait manifestement la visibilité des travaux. Et depuis le 1er avril 2018, c'est devenu donc une obligation. Et au sein de l'ERC, donc le European Research Council, tout projet également financé par l'Europe doit produire des résultats open access. Et c'est très simple, on entre nos résultats sur une plateforme. Si je clique sur gold, ça va. Si je dois dire combien ça a coûté. Si je clique sur green, c'est bon. Je mets une année, deux ans, mais pas plus. Et si je clique sur no open access, eh bien, mon entrée, pouf, disparaît. Le discours est très clair. Hein? C'est très clair. C'est ça ou rien. Voilà. Monsieur Engartner? Je pense qu'au niveau global, la pandémie COVID est un exemple phénoménal de la valeur ajoutée, de l'importance du concept open access. Durant cette pandémie, il fallait que la communauté scientifique génère du nouveau savoir extrêmement rapidement et c'était très important qu'on distribue ce savoir aussi rapidement et aussi librement que possible. Et essentiellement, je dirais plus de 90% des publications qui ont été publiées sur COVID ont été publiées open access pour cette raison. Beaucoup de revues ont pris une politique qu'ils ont dit tout ce qui est COVID, on le met open access automatiquement parce qu'on réalise l'importance que ce savoir soit distribué rapidement. Alors, je pense que c'est un exemple extrêmement concret et visible de la valeur ajoutée, de l'importance de pouvoir distribuer le savoir aux quatre coins du globe. Ça veut dire que dans la foulée cette année, on a vu une explosion de l'open access. Il y a vraiment eu une augmentation massive des articles en open access. Monsieur Engartner? Alors, les données que j'ai vues, c'était, si vous comparez, par exemple, ce qui a été publié sur COVID, comparé à ce qui a été publié cette année sur le thème, disons, du cancer ou des maladies cardio-pulmonaires. Pour le cancer, peut-être un tiers des publications sont open access, tandis que pour COVID, c'était plus de 90%. Alors, comme a été mentionné par mes collègues, la transition 100% open access est une transition extrêmement lente, progressive, mais dans un temps de crise comme celui que nous avons vécu cette année, on peut changer beaucoup plus rapidement. Est-ce que ça va être durable? Je l'espère bien. On va voir. COVID, bon, c'est surtout dans le système biomédical. Je ne sais pas l'effet que ça va avoir sur l'archéologie classique, mais j'espère bien que ça démontrerait l'importance et l'utilité du concept pour tous et toutes. Du coup, est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait vraiment un grand pas en avant qui soit franchi grâce à la crise pandémique en matière d'open access? Peut-être que là, j'ouvre la question à toutes et à tous. Est-ce que vous attendez justement à ce qu'une année comme celle-ci serve la cause de l'open access? Peut-être un petit mot. Alors, je commence peut-être par Angélique Beuchung. Oui, moi je peux imaginer que ça va dépendre des domaines. C'est vrai qu'il y a quand même aussi toujours des spécificités hein, par domaine, des sensibilités différentes. Certains domaines comme par exemple la physique pratiquent l'open access depuis déjà très longtemps. Et puis peut-être que pour d'autres, ça va contribuer vraiment à vraiment augmenter la part d'open access et puis de sensibiliser vraiment la communauté scientifique à l'importance de ce mouvement et puis de rendre les résultats de la recherche accessibles, en particulier en médecine, vu que c'est peut-être là qu'on a le plus grand exemple en ce moment. Madame Dazen, vous souhaitiez intervenir?
C'est juste pour avoir un petit regard un peu historique, hein, comme archéologue, mais sans se remonter jusqu'au temps des Grecs et des Romains. Si on met en perspective ce qu'on a vécu cette année, il y a deux choses. D'une part, je crois que ça nous a fait réaliser cette fameuse révolution numérique dont on parle depuis les années, fin des années 90, hein, 2000. J'ai participé au grand élan du campus virtuel suisse qui entendait justement développer le e-learning. C'était un grand idéal, on a mis en place toutes sortes de choses grâce au campus virtuel, mais on parlait beaucoup de cette révolution numérique, qu'on vivait quelque chose comme l'invention de l'imprimerie, mais je crois que cette année seulement, on a pris toute la conscience, toute la profondeur de ce que cela voulait dire. Parce que tout à coup, effectivement, pour pouvoir continuer d'avancer tout en étant confiné, quel bonheur de trouver des textes en ligne, de voir des maisons d'édition qui ouvraient les vannes, qui donnaient à lire des volumes de manière très large, tout un réseau aussi qui s'est construit de chercheurs assez extraordinaires. On lançait une demande, il y en avait un ou l'autre qui vous envoyait le texte. Enfin, on a peut-être pris vraiment cette année la mesure de l'importance de cette révolution-là, dont on parle depuis longtemps. Hein, dont on parle depuis longtemps. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu très actuel. Alors, prendre la mesure, c'est une chose. Aller de l'avant, c'est une autre. Vous répondez à moitié à ma question maintenant. Est-ce que vraiment vous vous attendez à ce qu'il y ait une réelle avancée sur le terrain? Quelqu'un d'autre peut répondre. Monsieur Engartner? Je pense les éléments que Monsieur Ries a mentionnés, le fait que la Suisse, en tant que pays, ou toutes les organisations académiques de la Suisse ont maintenant des nouveaux contrats qui vont nous permettre d'ici 2024 à avoir 100% de open access pour toutes nos publications, vont entraîner un nouveau normal, si vous voulez, pour les scientifiques suisses. Et je pense que c'est cette transition qui peut-être au long terme va être beaucoup plus permanente, si vous voulez, parce que c'est la situation que nos nouveaux doctorants vont rencontrer. Ils vont réaliser, ah ben, c'est comme ça que ça marche. Ça deviendra au point une nouvelle norme aussi. Hein. C'est une nouvelle génération de chercheurs. Voilà. Exactement. Monsieur Ries, vous souhaitiez intervenir aussi sur cet aspect? Oui, alors en tout cas, j'espère que cette année va justement permettre de lancer encore plus ce mouvement de l'open access. Alors je peux dire que par exemple à l'Université de Fribourg, on sent quand même qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui se posent des questions sur l'open access. On a récemment organisé la semaine open access où on a proposé des workshops, des séminaires à nos chercheurs pour les informer, pour les sensibiliser à la thématique. Et on a eu beaucoup de participants, on a eu beaucoup de questions, surtout aussi des jeunes chercheurs qui participent. Donc, je pense que maintenant, dans tous les domaines, cette thématique de l'open access est arrivée. C'est clair qu'il y a des domaines comme Angélique Beauchung l'a dit, comme la physique, ils sont déjà assez loin. Après, il y a d'autres domaines, comme par exemple peut-être la théologie ou le droit, où on est encore un peu derrière. Par contre, partout, je pense, il y a ce mouvement qui est lancé. Et cette année, avec le Covid, avec cette nécessité d'ouvrir vraiment les résultats à tout le monde, je pense que ça aura quand même un effet positif et va faire avancer ce mouvement de l'open access encore plus. Alors, on sort de la thématique Covid, on y reviendra très probablement plus tard. Je vous relaye une première question émanant du public, c'est celle de Céline Gougler qui nous écrit « Si nous passons à un open access à 100% sur Internet, n'est-ce pas annoncer la mort des éditeurs ?» Qui est-ce qui souhaite répondre? Madame Beauchou? Moi, je vous réponds que les éditeurs sont très intelligents et ils ont des business models bien rodés. Donc, comme on l'a dit, hein, on ne va plus payer pour accéder aux ressources en ligne, mais on va payer pour publier. Donc, il y a simplement un changement, un basculement vers un nouveau business model. Alors, c'est vrai que le but, c'est de limiter quelque peu les coûts, mais je pense que les éditeurs vont continuer à se faire de l'argent. Je ne me fais pas trop de soucis pour eux.
Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait répondre à cette question ou apporter un autre éclairage? Monsieur Engartner? Je pense qu'on doit distinguer entre les revues scientifiques et les monographies, les bouquins. Alors, pour les livres, il y a encore certainement une clientèle, il y a beaucoup de gens, incluant, vous voyez derrière moi, moi-même, qui aiment avoir le produit physique dans la main. Et de ce point de vue-là, évidemment, si vous imprimez la chose, ça vous allez avoir des coûts de distribution, des coûts d'imprimerie. Ça, il va falloir qu'on continue à payer pour le produit physique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont déjà fait des tests, si vous voulez, des expériences avec le système où vous pouvez lire le bouquin gratuit en ligne ou vous pouvez l'acheter physiquement. Et il continue à avoir un grand nombre de personnes qui préfèrent payer pour avoir le produit physique. Alors, de ce point de vue-là, même les imprimeries ne vont pas complètement mourir. En autant qu'il y a beaucoup de gens qui aiment avoir un produit physique dans la main. Encore une fois, d'accord, je suis peut-être un peu vieille date, mais non, même mes enfants aiment lire avec avec un livre en papier. Je pense que ça va rester avec nous. Mm-hmm. On a, depuis le début de ce café scientifique, entendu parler des éditeurs qui ont du pouvoir, de certains éditeurs qui se font pas mal d'argent, d'éditeurs parasites. Est-ce que peut-être pour les non-initiés, l'un ou l'une d'entre vous pourrait nous en dire un petit peu plus sur ces éditeurs, puisqu'ils sont aussi au cœur de la thématique Open Access. Madame Bochum, peut-être? Oui, alors, comme j'ai dit, le milieu de l'édition scientifique, en tout cas pour quand je parle d'éditeurs, souvent j'entends les plus gros éditeurs, c'est-à-dire j'entends par là Springer, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis. Vraiment, c'est des grosses entreprises à but lucratif. Et puis donc, c'est vrai que contrairement aux universités, elles n'ont pas forcément un but de bien commun, donc elles ont vraiment un but lucratif, et puis elles ont fondé vraiment leur business model sur la recherche et les résultats et la publication des résultats de la recherche. Et ce qui est intéressant pour ces maisons d'édition, et d'autant plus avec Internet, c'est que les institutions publiques financent les chercheurs. Ensuite, les chercheurs, une fois qu'ils ont terminé leur recherche, ils ont envie, besoin de publier. Et souvent, en tout cas jusqu'à présent, ils avaient besoin de publier dans des revues prestigieuses. Et puis, ces revues prestigieuses appartiennent à des gros éditeurs. Et donc, les auteurs cèdent leurs droits à ces maisons d'édition, souvent contre aucune rémunération. Et puis, les éditeurs revendent ensuite l'accès à ces mêmes résultats de recherche aux institutions publiques. Donc, souvent, ce sont les universités, les bibliothèques, qui financent l'accès à des recherches qu'elles avaient initialement financées. Donc, en soi, on paye deux fois pour des choses. Donc, voilà un petit peu. Et c'est vrai que du moment qu'il y a une dématérialisation, l'éditeur a plus ses frais d'imprimerie, comme le disait Monsieur Engartner, et du coup, le business devient encore plus lucratif. Et ce que j'aimerais peut-être encore ajouter là au milieu, c'est que il y a tout un système de revues par les pairs. Quand un chercheur dépose son article auprès d'une maison d'édition, il y a un comité éditorial qui valide les résultats de cette recherche. Et souvent, ces comités éditoriaux sont composés de chercheurs qui eux-mêmes ne sont pas rémunérés pour faire ce travail. Donc, c'est pour vous montrer à quel point le business est lucratif. Mm-hmm. Véronique Dazen, vous souhaitiez intervenir.
je voulais dire que dans ce monde de l'édition, alors là je parle plutôt du point de vue des sciences humaines, on a vu aussi émerger maintenant toutes sortes de revues qui sont soit, enfin, qui sont pas seulement directement open access parce qu'elles continuent de publier. Et je crois que le mode hybride est vraiment celui qu'on privilégie en sciences humaines. On a tous, je crois, encore besoin de cette dimension papier, surtout en archéologie où il faut en plus déplier en plan, voir des images, des catalogues. Enfin, il y a toute une ergonomie qui est optimale avec un livre, tout en profitant à 200% de la version digitale. Donc, on a des revues qui sont apparues maintenant, que je pense à la revue Kentron, à la revue Archimède, à Strasbourg, des revues universitaires, qui font ce travail de rendre immédiatement open access des dossiers, donc une production annuelle, et en même temps une version papier qui est déposée en bibliothèque à des abonnés et qui peut être achetée. Donc ça, c'est nouveau et je pense qu'on est dans un mouvement qui ne va pas s'arrêter, au contraire. Vraiment, le Covid a fait prendre conscience de l'importance et de toute façon, tous ceux qui sont impliqués dans la recherche le savent. On ne peut pas faire de la recherche en attendant 3 ans d'avoir ses propres résultats largement connus. Il y a une telle production, donc c'est important d'être visible et rapidement. Et ça, ce n'est pas un mouvement qui va s'arrêter. En tout cas, au niveau du Fonds national, comme des projets européens, on est dedans et à la pointe. Et les effets sont très positifs. En tout cas, en tant que chercheur, dans une communauté large, c'est des effets extraordinaires. Il y a vraiment une démultiplication des savoirs très rapide qui est magnifique. Ce côté hybride est intéressant. Monsieur Ries, Monsieur Engartner, vous aussi, vous avez fait des expériences, des observations avec des formats hybrides. Pardon, je pose la question à deux personnes en même temps. Ce n'est pas très malin de ma part. Monsieur Ries, pour commencer. Oui, je n'ai pas très bien entendu la question, juste. Madame Bazaine donc, évoque les avantages, les intérêts de formats hybrides, au fond, donc, où on n'est pas dans du digital pur. On a aussi des supports papier qui demeurent. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou que vous trouvez aussi intéressant, voilà. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié au domaine, parce que dans mon domaine, par exemple, en mathématiques ou en informatique théorique, c'est vraiment le en ligne, pratiquement 100%. Donc, on n'est pas très lié au papier. C'est vrai que pour les livres, comme disait M. Engartner, au final, on aimerait quand même avoir le livre entre ses mains, mais par contre, tout ce qui est articles scientifiques, publications scientifiques, en fait, ça se passe à 100% en ligne. Et là, ce format hybride est peu présent dans ce domaine-là. Mais je pense que c'est vraiment, peut-être en sciences humaines, je sais qu'en droit aussi, ils sont encore très liés aux versions papier, mais dans d'autres domaines, ils sont plutôt passés en ligne à 100%. Monsieur Engartner, vous vouliez aussi rebondir. Oui, s'il vous plaît. Il faut faire un peu attention avec le mot hybride parce qu'on peut le définir de façon différente. Alors, la façon dont Madame Dazen l'a défini, que le produit virtuel est automatiquement gratuit pour tous, mais qu'on vous offre aussi le produit en papier, en sus, qui va vous coûter quelque chose, évidemment. Je trouve ça, c'est très bien. Parce qu'essentiellement, le produit est quand même, si vous voulez, accessible directement et gratuitement. Mais il y a aussi des revues qui sont dites hybrides, où les articles ne sont pas systématiquement libres. En fait, ils ont encore le système d'abonnement, mais vous pouvez, comme auteur, décider de payer en sus pour que votre article à vous soit open access. Et ça, on appelle ça du double dipping parce que essentiellement l'éditeur, il reçoit l'argent une fois par les gens qui ont payé pour l'abonnement pour lire et il reçoit en plus l'argent des auteurs qui ont dit « Ah, moi, mon article, j'aimerais qu'il soit open access. » Alors, encore une fois, comme Mme Bochon a dit, les éditeurs ne sont pas idiots. Ils vont essayer de maximiser leur profit, mais à la fin, les coûts qui augmentent, ce sont les coûts pour la science. Ça, c'est le budget des contribuables que nous recevons qui est investi dans ces activités plus courtes dans la recherche et dans l'enseignement. Alors, nous, ça nous frustre un petit peu. Cette version hybride, on ne l'aime pas du tout.
Je vais vous relayer une autre question émanant du public. J'en profite pour rappeler, si certains auditeurs, spectateurs nous ont rejoints un petit peu sur le tard, que ce café scientifique est surtout justement destiné à répondre aux questions du public, du e-public ce soir. Donc n'hésitez pas à nous relayer vos questions, vos commentaires, vos anecdotes, que ce soit sur Facebook ou par SMS WhatsApp au numéro de téléphone 079 796 22 15. Nous avons donc une question de Carmelita Lala qui écrit « Sauf erreur, les chercheuses et les chercheurs qui pratiquent l'expérimentation animale notamment ne sont pas obligés de publier le résultat si l'expérience échoue. Pourquoi si peu de transparence? Ne serait-il pas pertinent que tous les résultats positifs ou non soit connu et publié, d'une part pour ne pas faire perdre de temps aux autres chercheuses et chercheurs qui étudient les mêmes domaines, et d'autre part pour l'intérêt de la population qui paye finalement en partie ces expériences à travers les impôts. » Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre ou apporter un élément de réponse à cette question, Monsieur Engartner? Alors, c'est une très bonne question. C'est un peu difficile parce que, le premier élément, c'est que les résultats négatifs, si l'expérience a été bien faite, bien contrôlée, ne vous donnent pas le résultat que vous voulez. Si le résultat est négatif, c'est plus difficile ou c'était plus difficile dans le passé de publier. Et alors, de ce point de vue-là, si vous ne pouvez pas publier votre résultat négatif parce qu'aucune revue ne le prend, parce qu'ils disent que ce n'est pas intéressant, c'est négatif, ça vous décourage. D'un autre côté, le résultat négatif est un résultat important et intéressant, et de ce point de vue-là, absolument, il devrait avoir un système qui encouragerait la publication de tels résultats. Dans les tests cliniques, alors quand vous faites une expérience clinique, vous avez besoin d'enregistrer votre expérience, votre trial. Et vous avez besoin de publier le résultat, qu'il soit positif ou négatif. Alors, avec la recherche sur les êtres humains, c'est déjà implémenté. Chez les animaux, ce n'est pas encore implémenté, mais il y a de plus en plus d'intérêt chez les chercheurs pour qu'on ait un système similaire. Pour les auteurs, ça serait beaucoup mieux qu'ils aient un bon moyen de publier leurs résultats négatifs que de ne pas les publier, parce qu'au moins une publication de résultats négatifs, c'est quelque chose que vous avez sur votre curriculum vitae, ça démontre que vous avez fait du bon travail, ainsi de suite, et évidemment, ça avance la science. Est-ce que vous vous disiez, on pourrait chercher des voies, trouver des moyens de publier ces résultats négatifs? Est-ce qu'on a déjà des pistes, au fond? Comment les publier, ces résultats? Alors, peut-être Madame Bochon. Alors, on va laisser terminer. Voilà, Monsieur Engartner, Madame Bochon, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Pardon. Quand vous voulez faire une expérience avec des animaux, vous devez obtenir ou soumettre une demande et vous obtenez une approbation. Alors, il y a une piste de ce qui a été approuvé. On pourrait très bien demander que les résultats de l'expérience qui a été approuvée par le conseil éthique, qu'il y ait une publication finale qui nous donne une revue sommaire des résultats qui ont été obtenus. De cette façon-là, même si ce n'est pas publié dans Nature ou dans Science, il y aurait un endroit où on pourrait accumuler ces données, ce savoir, de façon qu'on puisse le chercher en ligne. Madame Bochou, vous souhaitiez intervenir? Alors, j'aimerais juste attirer l'attention du public sur le fait que la plupart des institutions et des universités disposent actuellement de ce qu'on appelle des dépôts institutionnels, où les chercheurs ont la possibilité de déposer leurs documents, leurs articles, même s'ils n'ont pas été préalablement publiés. Donc, c'est vrai que c'est peut-être une pratique qui mérite d'être encore plus encouragée à l'heure actuelle, et pas uniquement peut-être de déposer sur ces plateformes des articles qui ont d'ores et déjà été acceptés par les éditeurs. Euh,
Oui, alors il y a d'autres domaines aussi où ça existe, ces plateformes où on peut déjà mettre des résultats. Donc, en informatique théorique, par exemple, c'est Archive. Donc, beaucoup de gens mettent leur publication là-dessus et après soumettent à l'éditeur. Et il y a de temps en temps, il y a une tendance dans ce domaine aussi de mettre à disposition en fait des approches qui ont été essayées, mais sans succès, justement pour éviter que d'autres personnes essaient la même chose. Et je pense que c'est très important parce que c'est en faisant des erreurs finalement qu'on apprend, et pour éviter que tout le monde fasse la même erreur, ce serait effectivement intéressant de publier également des résultats. Ben là, je parle de l'informatique théorique ou mathématique, donc on ne fait pas des tests sur les animaux, mais quand même des approches pour résoudre des problèmes, mais qui n'ont rien donné. Et pour comprendre pourquoi ça n'a rien donné, c'est très intéressant. C'est important qu'on ait ces informations aussi. Et là, on peut trouver de temps en temps aussi ces articles, mais c'est pas encore un mouvement qui est très très développé. Par contre, ce sont des thématiques qui reviennent régulièrement. Une auditrice, Marie-Lise Arnett, a fait un partage via Facebook. Donc, ce n'est pas une question, mais elle souhaite témoigner. Elle nous écrit que la conversation est passionnante, qu'elle est une ancienne éditrice qui a travaillé pour une maison d'édition exceptionnelle, celle de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire. Et ce n'est donc pas une maison d'édition privée, écrit-elle, ce qui fait bien sûr toute la différence, mais rattachée à une institution publique. Cette maison d'édition, qui a la chance d'avoir gardé son imprimerie vieille de 120 ans, est constituée de personnel entièrement dédié à la tâche. L'imprimerie est aussi dépositaire d'un savoir unique en termes d'édition, par exemple la fonte de caractères hiéroglyphiques que l'on reprend aujourd'hui d'ailleurs. Et elle nous écrit, je voudrais simplement rappeler que certains éditeurs encore ne sont pas concernés par l'appât du gain, mais par la diffusion de la science, tout simplement au sens noble. Voilà. Donc ce n'est pas une question en tant que telle, est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ce témoignage? Monsieur Engartner. Absolument, nous voyons aussi maintenant avec la possibilité d'avoir des éditions complètement digitales, qu'il y a des regroupements de scientifiques qui se décident à cofonder une nouvelle revue où ils font l'édition, ils font le contrôle de qualité, et ce sont souvent comment dire, des nouvelles revues qui sont très très originales. Et ça démontre aussi l'intérêt. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent contribuer au développement de leur domaine et trouvent que ça, c'est un moyen de le faire. Ça me rappelle un petit peu les premières publications, les premières revues scientifiques, Proceedings of the Royal Academy of Science, de la Grande-Bretagne. C'était des associations professionnelles de scientifiques qui ont commencé à publier eux-mêmes leur savoir pour le partager avec les autres. Et on voit de nouveau ça recommencer maintenant, mais au niveau digital, grâce à la révolution informatique. J'ai une autre question. Enfin, c'est une question cette fois-ci. Enfin, je ne sais pas de qui émane la question. Pensez-vous et comment que ces nouvelles politiques sur l'open access aura un impact sur le recrutement des jeunes chercheurs et chercheuses qui sont de plus en plus dans une situation de grande précarité? Alors là, on aborde un autre aspect qui est intéressant, celle de la rémunération en fonds des chercheurs. Monsieur Riss, je ne sais pas si vous levez la main Alors, je ou si pense vous qu'il y a. réfléchissez, mais je J'essaie de faire les deux en même temps. Non, mais je pense qu'il y a un aspect là qui est très important. Il y a un aspect qui est très important là. C'est que dans beaucoup de domaines, malheureusement encore, j'exagère peut-être un peu, mais on réduit en fait le chercheur à sa liste de publications ou bien aux journaux dans lesquels il publie. C'est-à-dire, si quelqu'un publie dans un journal X, qui est un journal d'une certaine réputation, on dit que c'est un bon chercheur. Si quelqu'un publie dans un journal qui est moins connu, par contre, Open Access, bah, c'est un moins bon chercheur puisque le journal n'a pas une certaine réputation. Et je pense que là, pour les jeunes, justement, c'est très frustrant parce que d'un côté, il y a ces politiques Open Access, les exigences d'un côté des universités de publier en Open Access.
ou des bailleurs de fonds, mais d'un autre côté, ils savent que pour être recruté par après, ce serait bien que je publie dans des journaux quand même qui ont une certaine renommée, et ces journaux ne sont pas forcément open access, donc ils se trouvent un peu coincés. Et là, je pense qu'il est important, c'est qu'il y a une transformation, il y a un changement de la culture de publication dans certains domaines, pour que on ne réduit pas un chercheur à ses publications, mais qu'on s'intéresse aussi au contenu et qu'on valorise les publications open access, ce qui permettrait alors aussi aux jeunes de publier plutôt dans un journal open access que dans un journal qui a une certaine réputation. Et là, on voit que malheureusement, dans certains domaines, on est encore loin de là, parce que dans les comités de recrutement, j'ai pu le vivre moi-même, on regarde où les gens publient, et en fonction de où ils publient, on décide si c'est un bon candidat ou un moins bon candidat, alors qu'on devrait vraiment se concentrer sur la personne entière, sur tout ce que la personne a fait, et pas seulement les publications, valoriser l'open access par exemple. Et je me rappelle, il y a une année, un événement à Zurich où M. Engartner avait participé sur l'open access, et je pense que vous l'avez très bien résumé à l'époque en disant, si je suis sur le point d'engager quelqu'un pour les 30 prochaines années, je dois quand même prendre quelques jours pour bien analyser le contenu aussi scientifique de ses publications, et pas seulement lire son CV et décider si c'est un bon candidat ou pas. Et je pense que ça résume parfaitement la problématique. Donc cette politique open access, oui, c'est une chose, mais il faut faire attention aussi à cet aspect de ce changement de la culture de publication. Parce que là, en effet, vous parlez d'un changement viscéral de culture. C'est comme vous disiez, pour la plupart des chercheurs, c'est publié dans les grandes revues, et c'est encore le cas, j'ai l'impression, Alors, ce n'est pas la dernière génération, mais là, hein. Non, alors pour beaucoup, en fait, c'est très important de publier dans certains journaux, parce que c'est uniquement à ce moment-là on est reconnu vraiment dans le monde académique d'être un bon chercheur. Et c'est ça qui doit changer. On doit se concentrer sur le contenu d'une publication et pas sur où la publication a été publiée. Donc avec la déclaration d'Ora aussi, qui dit justement, il ne faut pas regarder le facteur d'impact d'un journal, mais il faut vraiment regarder le contenu. Et je pense que si on valorise encore plus le fait que si quelqu'un publie en open access, à ce moment-là, peut-être ça peut amener un changement de cette culture. Mais je pense que ça va se faire en petits pas. Il faut un peu de temps pour ce changement. Tout le monde souhaite dire. Je peut-être commence par Madame Dazen, vous aviez, je crois. Vous avez la main en premier. Vous êtes une maîtresse d'école. Allez-y. Parce que Madame Harris, pertinente, il y a cette déclaration de Dora que, par exemple, le Fonds national suisse a signée, qui concerne la manière d'évaluer le parcours d'un requérant pour un projet de recherche ou autre. Et donc, on met fortement l'accent là-dessus. Par exemple, désormais, il ne s'agit plus de compter le nombre de publications, mais on demande à la personne qui dépose un projet de nommer cinq publications qu'elle juge importantes. Et pourquoi elle les juge importantes? Donc, et pour tout le monde, c'est la même chose. Qu'on ait publié 100 ou 20, on doit choisir 5 publications qu'on juge essentielles, révélatrices, significatives, qui ont fait avancer les choses. Donc, on va dans cette direction-là, effectivement, d'avoir une attention portée sur le contenu. Et peu importe où c'est publié, hein. C'est la qualité qui compte. Madame Bochou? Oui, je voulais juste ajouter à tout cela que c'est d'autant plus important que c'est cela qui va nous permettre de gagner en indépendance vis-à-vis des grands éditeurs. Parce que c'est vrai que toutes ces questions de prestige, jusqu'à présent, nous ont rendu un petit peu dépendantes, dans le sens où il faut être absolument abonné à certaines revues pour pouvoir aussi contenter le public des chercheurs, des étudiants. Et en soi, c'est ces revues-là qui souvent coûtent le plus cher et puis qui contribuent à alimenter la machine.
Donc, en soi, tout est... Monsieur Engertner, vous souhaitiez également réagir à cette question du... Je n'ai pas beaucoup à ajouter, ma chérie, a très bien raconté. Et seulement, si on réduit une chercheuse, un chercheur au CV, je suis convaincu, M. Ries peut nous programmer un petit algorithme, une petite app iPhone qui va décider qui va être la nouvelle professeure ou le nouveau professeur. Quand je recrute quelqu'un, je recrute un collègue, une collègue, je vais voir la personnalité, je vais avoir quelqu'un qui va me stimuler pour les prochaines décennies. Et de ce point de vue-là, que cette personne ait 12 ou 20 ou 200 publications, c'est presque pas relevant. Alors, de ce point de vue-là, absolument... je pense un focus sur le contenu ou un retour sur le contenu, j'ai l'impression que ce développement, c'est un développement qui s'est passé dans les 40 dernières années. Avant ça, il y avait premièrement beaucoup moins de scientifiques, on avait plus de temps de lire, on se connaissait aussi mieux. Il faut retourner dans ce temps où on se focus sur le contenu et sur les idées des gens plutôt que simplement le taux de production des scientifiques. Alors, comme souvent, on met quand même beaucoup d'espoir sur la nouvelle génération, les jeunes chercheurs. Est-ce qu'on doit sensibiliser les jeunes chercheurs et chercheuses, bien sûr, à la thématique de l'open access et puis justement peut-être l'importance de ne pas forcément vouloir publier uniquement dans les grandes revues? Et si oui, comment est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est le rôle des universités qui s'en charge, au fond? Est-ce que ça se fait déjà? Monsieur Ries, peut-être? Oui, alors je pense qu'évidemment, il faut sensibiliser les jeunes chercheurs à ce mouvement de l'open access. Et comme je le disais avant, on a remarqué lors d'événements qu'on a organisés ici à l'Université de Fribourg liés à l'open access qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui participaient, qui s'informaient et qui se posaient exactement les bonnes questions, dont notamment, si je veux avoir un poste plus tard, je sais qu'on exige de publier dans tel et tel journal. Et là, je pense que c'est effectivement le rôle de l'université de veiller à ce que lors de recrutement, on respecte cette déclaration de DORA que l'Université de Fribourg a également signée en 2018 et qu'on s'intéresse à la personnalité, à tout ce qu'une personne a réalisé et pas seulement qu'on réduit au nombre de publications. Et à l'Université de Fribourg, on a décidé au niveau du rectorat justement de regarder en détail si on reçoit les rapports des commissions de recrutement et de poser les questions s'il le faut pour savoir si ça a été adopté, si ça a été respecté. Encore une fois, il y a des domaines où ça fonctionne très bien, où c'est normal qu'on regarde le contenu des publications et on juge en fonction de ce que la personne a réalisé de manière globale. Aussi, lorsqu'une personne vient dans une interview, quel sentiment est-ce qu'on a pour cette personne? Est-ce une personne qui va bien s'intégrer, etc. Donc, on ne réduit pas juste aux publications, mais dans d'autres domaines, ça semble pas encore être le cas. Et c'est là où l'université doit aussi faire un effort et approcher ses chercheurs pour dire qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte. Est-ce qu'on peut justement faire un petit zoom sur les différents domaines? On a plusieurs d'entre vous ont évoqué cette différenciation en fonction des domaines. Hein. Quels sont les domaines qui actuellement sont davantage avancés en termes d'open access et on va dire de culture peut-être open access et lesquels sont plutôt à la traîne? Qui souhaite répondre à cette question? Monsieur Engertner. C'est une question piège. Ça, c'est extrêmement dangereux. Physique, mathématiques sont extrêmement avancées depuis beaucoup de temps. Mais écoutez, il n'y a pas rien qu'open access. Les sciences humaines, par exemple, elles sont moins loin ou moins avancées du point de vue open access. Mais du point de vue d'Aura, focus sur le contenu, ça, ils ont toujours gardé. Et possiblement parce qu'ils n'avaient pas cette machine ou cette manie à publier autant que possible. Alors, on publie son livre et ça prend son temps, mais après on a un livre et les gens prennent le temps de lire le livre.
ou en droit, je vois la même chose. Alors, en droit, ils se prennent beaucoup de temps à lire les productions qui ont été gérées. Et ce n'est pas la quantité des analyses que vous avez, mais plutôt la qualité de vos analyses qui vont vous donner une chaire en droit à l'Université de Zurich ou ailleurs. J'imagine l'Université de Fribourg, c'est la même chose. Une nouvelle question émanant du public. Peut-être Madame Dazen voulait encore ajouter quelque chose, excusez-moi. Une temporalité aussi qui est différente à la fois dans la production, comme l'a très bien dit Micheline Gartner, dans la production du savoir et dans la consommation, si je puis dire, du savoir et sa durée. Et on ne peut pas comparer un travail comme il se fait en sciences humaines qui peut prendre des années de collection, de sources et de rédaction, avec un travail en sciences qui est le fruit d'une expérience de laboratoire qui va être publiée et quelques années, ou même pas, une année plus tard, est modifiée, est battue en brèche par une nouvelle découverte. Nous, on a des ouvrages du 19e, milieu 19e, qui sont encore des références, mais qui sont l'œuvre d'une vie. Et c'est assez extraordinaire. Donc, c'est une temporalité dans la production du savoir, mais aussi dans sa durée. Et ça conditionne forcément tout le reste aussi. C'est pour ça que c'est très difficile de comparer nos besoins. Voilà. Donc, une nouvelle question du public qui là aussi est très intéressante, qui concerne la notion de conservation. Qu'en est-il de la question de la conservation dans le cadre de l'open access? Est-ce que la valorisation est déjà en cours dans les bibliothèques, ou laisse-t-on ces documents vivre par eux-mêmes, entre guillemets? Comment peut-on les conserver et les valoriser? C'est tout naturellement vers vous, Madame Beauchamp, que je me tourne. Oui, alors il y a eu, c'est bien sûr un souci hein, pour les bibliothèques de pouvoir garder une trace et puis conserver ces documents, d'autant plus avec l'électronique où en soi, on acquiert des accès, mais on n'a pas la propriété du document comme on l'aurait pour le papier. Donc, ce qui s'est passé entre les bibliothèques académiques suisses, c'est qu'elles se sont réparties des domaines de recherche pour lesquels chacune est responsable de conserver le papier, les revues papier de ces domaines. Par exemple, à Fribourg, c'est la philosophie Sofferer. Et donc, on a pour mandat de conserver toutes les revues papier, enfin en version papier, de ce domaine-là. Et puis, donc, on s'est répartis ces différents domaines du savoir entre les bibliothèques académiques. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait rebondir sur la question de la conservation, de la valorisation? Si ce n'est pas le cas, une nouvelle question qui émane du public, de Monsieur Champac. Avec mes excuses, je vais probablement mal prononcer le nom, Champac Biravolu Reddy, qui demande ce que vous pensez, si vous le connaissez, de l'initiative Peer Community, peercommunitying.org, qui va au-delà de la pré-publication. Est-ce que quelqu'un connaît ce projet, peut-être avant de continuer, et il nous explique que Peer Community est une organisation scientifique à but non lucratif qui vise à créer des communautés spécifiques de chercheurs examinant et recommandant gratuitement des prépublications dans leur domaine, c'est-à-dire donc des articles non publiés déposés dans des archives en ligne ouvertes. Est-ce que quelqu'un est inspiré par cette question et souhaiterait réagir? Donc, est-ce que c'est un élément de solution, au fond, à cette question de l'évaluation par les pairs, de la crédibilité aussi, bien sûr, et peut-être une manière indirecte de motiver des chercheurs à publier en open access? Monsieur Engartner?
Alors, je ne connais pas le système qui a été mentionné. L'évaluation par les pairs est un élément central du système de contrôle de qualité dans la science. Alors, tôt ou tard, il faudrait que principalement toutes les publications sur les preprints aient ou traversent ce système. En effet, sur plusieurs preprints, il y a des systèmes où vous pouvez commenter un preprint et les auteurs vont modifier leur preprint en réponse à vos commentaires jusqu'à temps que tout le monde soit d'accord, que la publication soit à peu près bien. Et seulement à ce moment, elle est soumise à un journal pour qu'une version définitive soit publiée. Alors, dans certains domaines scientifiques, un système similaire, si j'ai bien compris, à ce qui a été proposé existe déjà. Ça demande simplement que vous ayez une communauté qui soit prête à faire le travail et qui s'organise, parce qu'évidemment, faut faire ça de façon plus organisée pour systématiser le tout. C'est certainement un des moyens à le faire. Idéalement, on minimise la redondance pour que vous n'ayez pas trop de gens qui revuent ou réévaluent la même publication de façon comment dire, répétée. On a tous aussi beaucoup de travail à faire autre que d'évaluer les manuscrits. Là, on touche là aussi hein, au cœur d'un des écueils et des défis des publications open access, c'est celle de la qualité. Hein. Puis c'est une question qui revient aussi régulièrement parmi les détracteurs. Il y a eu quelques scandales, il y a eu l'histoire du Lancet, enfin, des fausses informations qui ont été publiées. Comment garantir la qualité, au fond? Alors, Madame Bechou, peut-être, et puis ensuite Monsieur Engartner. Mais je dirais que peut-être que déjà une partie de la solution réside déjà dans la publication des données de la recherche, dans le sens où du moment où on publie ces données, ça permet une certaine transparence par rapport aux résultats qu'on publie, et puis de permettre aussi à d'autres chercheurs d'expérimenter les mêmes choses. La reproducibilité de la recherche, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, je pense que ça contribue vraiment à cet aspect de transparence pour éviter ce genre de scandale, comme vous venez de le mentionner. Monsieur Engartner? Il y a plusieurs éléments qu'on peut introduire. Le premier, ça serait de changer le système de financement où les éditeurs ne sont pas payés pour publier, mais sont payés pour évaluer, pour le processus d'évaluation. Et dans ce cas-là, ils n'ont aucun intérêt à accepter quelque chose qui a une qualité qui est basse, parce que ça réduit leur réputation d'évaluateur. La deuxième chose a été déjà mentionnée par Madame Bochung. Je pense une transparence. Si par exemple vous êtes prêt à publier les reviews des peers, idéalement même peut-être avec les noms, on voit c'est qui a évalué et qu'est-ce qu'ils ont fait donner comme commentaire. Et ça aussi, ça donne une certaine confiance que le manuscrit a été regardé de façon sérieuse et que les auteurs ont pris en considération les commentaires de leur pair. Alors, je pense que ce serait certainement deux éléments qui pourraient contribuer à faire sûr que si c'est publié, on a une certaine confiance que ça a été évalué de façon sérieuse. Madame Dazen, vous souhaitiez également réagir? Oui, très rapidement, disons que la question se pose très peu en sciences humaines, évidemment. On a rarement des scandales du genre du Lancet. Et les revues dont je vous parlais sont toujours des revues peer-reviewed. Donc la question ne se pose pas. Ce n'est pas parce qu'on met open access le journal que la qualité n'est pas là. En fait, c'est simplement un service de plus que rend la revue. Mais tout le processus est inchangé, c'est le même. C'est une option qui s'est ouverte récemment. Monsieur Riss?
Oui, je pense que Madame Bouchung, elle a mentionné quelque chose de très important dans les publications où il y a justement des données de recherche, de mettre à disposition les données de recherche qui ont été utilisées. Et ça, c'est un autre mouvement qui est en train de se faire, le Open Research Data que j'ai déjà mentionné avant. Et ça se fait en parallèle avec l'Open Access et ça va venir, que ça sera obligatoire. En tout cas, je pense que pour le Front National, ça va devenir obligatoire de mettre à disposition les données de recherche qui ont été utilisées dans une publication pour que les gens puissent donc vérifier, refaire les expériences, etc. Donc ça, c'est un autre mouvement qui se fait, qui est déjà pas mal avancé. Et au niveau suisse, on aura, sauf erreur de ma part, une stratégie en matière de Open Research Data aussi au cours de l'année 2021. Donc, on va vraiment aller dans cette direction de transparence, vraiment de mettre à disposition ce qu'on a utilisé pour sa recherche, ce qui va certainement contribuer à la qualité de la recherche et au contrôle de qualité. Je vois, M. Ries, sur le fait que justement, le changement, l'évolution va bien au-delà de la publication Open Access. On peut presque parler de révolution, au fond, de la publication et de la mise à disposition des données au niveau de la science, enfin, en libre accès. Publication en ligne, des conférences, des séminaires, les données de recherche en ligne également. Comment, au fond, vers quoi, enfin, à quoi ressemblera plutôt le monde scientifique de, alors disons pas demain, mais de 2050, dans ce contexte-là, à votre avis? C'est une bonne question, une question difficile, mais je pense que vous avez... Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Donc, on parle d'open access, c'est le sujet de ce soir. Par contre, là, on passe déjà au open research data. Et comme vous l'avez dit, cette période de pandémie nous a permis, en fait, de voir à quel point c'est important, encore une fois, de s'ouvrir, de partager non seulement les publications et les données, mais aussi les discussions. Lors de cette année, il y a beaucoup de conférences qui ont été annulées, respectivement, qui ont été en ligne, ce qui a permis à beaucoup plus de chercheurs de participer, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le budget aussi pour aller à des conférences. Et puis, au final, on a permis à tout le monde d'assister aux présentations, et pas seulement à ceux qui payent les frais d'inscription à la conférence. Il y a énormément de séminaires qui se sont ouverts, alors que normalement, un séminaire dans une université a accueilli peut-être 10-15 personnes. Tout à coup, comme c'était en ligne, il y a 50, 60 ou même plus de participants. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester. En tout cas, je peux vous dire que dans mon domaine de recherche, les discussions ont lieu pour en faire le nouveau standard que les conférences dans l'avenir vont être sous une forme hybride. Alors, j'utilise encore une fois ce mot hybride avec lequel il faut faire très attention, comme l'a dit M. Engartner. Mais il faut pas oublier non plus que le côté social aussi, le networking lors d'une conférence est extrêmement important. Le faire complètement en ligne uniquement, je pense que c'est pas la bonne solution non plus. Mais avoir peut-être une façon, un format hybride permet encore de mieux partager, de mieux discuter dans l'avenir. Et selon moi, en tout cas, je l'espère, que ça va être la nouvelle norme dans l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret que vous auriez vécu, par exemple, pour qu'on comprenne bien aussi ce qu'on entend par hybride? Alors, hybride, pour moi, ce serait il y a une conférence qui a lieu à un endroit. Par exemple, j'organise une conférence ici à l'Université de Fribourg. Donc, les gens qui veulent venir assister à cette conférentielle. Par contre, il y a une retransmission en direct des présentations pour que quelqu'un qui ne peut pas venir ou qui veut juste assister à deux présentations et puis n'a pas envie de venir à Fribourg pendant une semaine juste pour assister à deux présentations, puisse quand même les suivre, puisse interagir avec les intervenants, poser des questions, etc. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez aussi mis le doigt sur un aspect intéressant, vous disiez assister à des conférences, des séminaires, ça a un certain prix, acheter des revues scientifiques aussi, là on touche à ce côté égalitaire au fond.
Et si oui, dans quelle mesure l'open access et l'open science de façon plus large est susceptible de gommer certaines inégalités? On peut penser à tout simplement entre pays, des pays plus ou moins, des pays plus ou moins favorisés qui ont un accès différent à la science, tout simplement, alors qu'on peut imaginer que la science est un bien commun. Madame Dazen, je vous vois hocher la tête. C'est un élément extrêmement important. Je veux dire, tout chercheur qui a voyagé, moi je me rappelle encore de l'ex-Allemagne de l'Est, où on nous suppliait quand on quittait le pays de nous d'envoyer des photocopies de tel article, tel livre qui était introuvable. C'est marquant parce qu'on garde cette souffrance qu'avaient nos collègues là-bas. Et quand tout s'est ouvert, quand j'ai vu Google Books arriver, on ne peut pas s'empêcher de penser à eux et de dire, le savoir maintenant se partage plus largement. Donc, bien sûr qu'on ne peut que le saluer. Et pour tout ce qui concerne l'ouverture de nos séminaires, de nos cours aussi, parlons aussi de nos cours qui peuvent être ouverts plus largement. C'est un phénomène qu'on avait déjà connu avant le Covid. En tout cas, j'ai déjà assisté à des colloques où une personne ne pouvait pas venir des États-Unis, mais venait simplement intervenir une demi-heure, faire sa présentation et de manière virtuelle. Et là, on va aller, je pense, vers une systématisation. En tout cas, ça va devenir politically correct de participer de cette manière-là. Jusqu'alors, c'était pas bien vu, et jusqu'alors, les outils qu'on utilise maintenant étaient plutôt tenus pour des outils privés, des moyens de communication avec sa famille, ses amis, et maintenant, c'est devenu des moyens de communication avec les collègues. Et de mon côté, j'ai fait l'expérience ce printemps, étant confinée, mon séminaire de recherche a continué. Et au lieu d'être tenu entre nous, un petit groupe d'une dizaine, douzaine, très vite, des collègues ont demandé est-ce que je peux venir aussi, parce qu'on s'est mis à les tenir de manière virtuelle sur une plateforme. On a dit oui. Et le groupe a grandi. Et donc maintenant, on est 50, 60, et vraiment du monde entier, chaque semaine. Et là, on s'est quitté aujourd'hui. Et la question que tout le monde a posée, c'est est-ce qu'on va continuer? Je veux dire, mais bien sûr qu'on va continuer. Alors, je vais faire le prochain programme. Et chaque semaine, on va se retrouver de Varsovie, de New York, de Würzburg. Et c'est un bol d'air. C'est un bol d'air pour tout le monde. C'est ce fameux flows of ideas dans ce monde du matériel non publié. Et là évidemment, il faut s'adapter. Si les collègues sont inconfortables, si j'enregistre ou n'ont pas envie d'envoyer leur PowerPoint à l'avance, veulent le garder pour eux, simplement le partager, parce que c'est un matériel inédit, eh bien, on le fait. Il n'y a pas de problème. Mais si on peut garder une trace, on va garder la trace. Et donc c'est extraordinaire. Là, on a découvert, grâce on peut dire au Covid, qu'on disposait de moyens puissants de dissémination, de réseautage. Et ça, je pense que ça va rester moins intensément, j'imagine, que maintenant, parce que maintenant c'est presque trop avoir un rythme d'un séminaire par semaine, c'est beaucoup. On pourra l'étager, mais on va le garder. Parce qu'aucun séminaire n'a les moyens d'inviter des gens du monde entier. Et les gens du monde entier n'ont pas les moyens de venir chez nous chaque fois, chaque semaine. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait réagir? C'est des bons moments. C'est vrai que là, on a vu quelque chose de très, très beau. Cet automne, oui, c'était un peu magique de ce côté-là. Au moins ça. Au moins ça. Alors justement, l'accès à la science pour tous, est-ce que c'est une vision complètement idéalisée et un peu bisounours, on va dire, ou là on a vraiment un potentiel d'aller de l'avant grâce à Madame Bochou? Moi, je voulais juste rebondir en fait, mettre un petit peu en perspective par rapport à la mission. Des bibliothèques en général, je trouve que c'est magnifique parce qu'en fait, c'est la mission première de nos institutions, c'est justement de partager ce savoir, de partager ces connaissances. Et puis là, grâce aux outils technologiques, on voit que c'est des choses qui se font à des échelles absolument inouïes jusqu'à présent. Et je trouve vraiment magnifique qu'on puisse perdurer, en fait, continuer sur cette lancée. Parce qu'en soi, c'est vraiment
le fond de notre travail au quotidien. Et puis, souvent, on nous dit peut-être, est-ce que c'est la mort des bibliothèques? Mais moi, je dis non, mais justement, c'est la consécration de nos institutions. Enfin, c'est ce vers quoi on tend. C'est vraiment ce vers quoi on tend. Mais vous en parlez avec des paillettes dans les yeux, on va dire. Ah bah oui. Alors que souvent en plus la numérisation est perçue comme quelque chose qui est plutôt froid et sec, et ben non, il y a le côté humain aussi qui est derrière. Oui, oui. J'en profite pour rappeler à ce stade à notre cher e-public la possibilité et notre souhait que vous posiez des questions, que ce soit sur Facebook ou par SMS, WhatsApp au numéro de téléphone 079 796 2215. On a une question qui rebondit un petit peu sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure quant à l'open science. Un auditeur nous demande, peut-on dire que l'open access mènera vers l'open science et, alors oui, là, on a déjà répondu, et éventuellement vers de la science citoyenne, citizen science, dont on parle aussi beaucoup. Monsieur Engartner, est-ce que vous pouvez peut-être en profiter pour rappeler ce que c'est que la citizen science pour les personnes qui ne seraient pas familiarisées avec ce concept? Avec plaisir, citizen science, alors la science des citoyennes et des citoyens, si vous voulez, c'est l'idée que vous ne devez pas nécessairement être un professionnel scientifique avec un doctorat ou Dieu sait quoi pour participer à la génération de savoir, si vous voulez. Ça a une longue tradition. Alors, par exemple, les ornithologues amateurs depuis des centaines d'années, ils cataloguent les oiseaux qu'ils voient où, quand, à quelle période de l'année, et ça permet aux ornithologues professionnels d'avoir des données intéressantes. Aujourd'hui, avec la digitalisation, les citoyennes, les citoyens peuvent devenir pas seulement contributeurs de données, mais peuvent aussi devenir co-créateurs. Alors, particulièrement dans le domaine de la santé, si vous pensez toutes les analyses cliniques, les humains qui sont dans ces tests, ce ne sont pas rien que des sujets, ce sont aussi des contribuants. Et de ce point de vue-là, de plus en plus, si c'est santé communautaire, par exemple, on discute avec les communautés, ça soit un groupe de seniors, par exemple, comment augmenter la qualité de la vie pour les gens au-dessus de 65 ans. Vous co-créez une question avec 200 personnes âgées. Une fois que vous avez la question, vous décidez ensemble comment allons-nous répondre à la question. Et à la fin, vous discutez des résultats ensemble. Alors, vraiment, c'est une co-création de nouveaux savoirs avec des scientifiques et les gens du grand public. Et ça enrichit extrêmement la qualité et ce que vous pouvez générer comme savoir, mais ça génère aussi des défis du côté éthique, aussi du côté structurel, organisatoire, comment vous faites ça, du côté comment donner crédit à ces co-auteurs à la fin. Alors, c'est une nouvelle ère de une méthode de recherche qui, dans les dernières une dizaine d'années, est devenue de plus en plus populaire. Et il y a beaucoup d'universités, l'Université de Genève, l'Université de Zurich, l'ETH à Zurich, qui ont généré des centres pour aider les scientifiques professionnels à développer des co-créations avec le grand public. Et pour faire le lien alors avec la Open Science? Alors, la Open Science, vous voulez démocratiser la science, sortir le savoir de la tour d'ivoire? Et pas rien que le résultat de la science, mais aussi le processus de générer la science. Alors, par exemple, quelles questions est-ce que les Suisses voudraient qu'on attaque? Alors, par exemple, en Hollande, ils ont eu un processus où ils ont eu des town halls où les gens sur la rue, les citoyennes, les citoyens, ont pu s'exprimer et dire, nous, on a l'impression que ça serait très bien si on avait un programme national sur les antibiotiques ou
le changement climatique ou Dieu sait quoi. Et de ce point de vue-là, ça démocratise les priorités de la communauté et ça facilite aussi ou ça permet aux citoyens aussi de contribuer à la génération de savoir sans qu'ils aient besoin d'avoir eu un degré académique, si vous voulez. Open Research Data a été mentionné déjà par M. Rees. L'idée, c'est que aussi vous pouvez mettre à la contribution, ou mettre à la portée de tout le monde les données scientifiques pour qu'elles puissent être réanalysées, pour qu'on puisse repartir dessus. Nous avons une nouvelle question de Carmelita Lala. Qui dit « Vous avez parlé de réputation, de renommée des revues et publications. Comment cette notion de réputation peut-elle poser certains problèmes? N'incite-t-elle pas les chercheuses et les chercheurs à publier à tout prix et justement toujours dans le cadre de recherche ayant recours à l'expérimentation animale, par exemple, de choisir la facilité, ce qui est déjà connu, plutôt que de risquer de ne pas être publié en s'intéressant, par exemple, aux méthodes de remplacement ?» Tout le monde réfléchir. Bon, alors, je ne veux pas monopoliser la discussion. La question des remplacements des expériences animales, en effet, si vous devez d'abord générer une alternative avant que vous puissiez faire votre expérience, la plupart des gens vont dire, s'il y a déjà un système qui fonctionne, il n'y a pas d'alternative présentement, je veux faire mon expérience aujourd'hui parce que je veux publier dans 6 mois, parce que mon doctorat, il dure pas 20 ans. Et de ce point de vue-là, on a besoin d'avoir un système qui encourage spécifiquement la recherche sur des méthodes alternatives. Ça existe, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas mis beaucoup d'argent dans ce système. Il y a des discussions présentement dans le message FRI au Conseil national, au Conseil des États, où on discute de générer un programme national de recherche dans les années à venir pour spécifiquement encourager le développement de nouvelles méthodes alternatives. Alors, ce besoin est un besoin réel, mais il faut l'adresser directement. Ce n'est pas réaliste de demander à une doctorante qui a une expérience à faire ou une question à répondre qu'elle doive d'abord investir 5 à 10 ans à trouver une solution alternative à l'expérience animale qui existe déjà. Si cette expérience animale peut répondre à la question, il n'y a pas d'alternative présentement. Alors, il faut certainement encore embaucher une nouvelle doctorante qui va avoir comme but de développer le test alternatif et là, ça va marcher. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait réagir? On peut très bien sortir du contexte de l'expérimentation animale. Hein. C'était un exemple qui apparemment tient à cœur à notre auditrice. Donc, ce risque de vouloir publier à tout prix en se basant sur une base de connaissances qui est déjà solide et qui a fait l'objet de validation. Et donc de ne plus rien tenter. Alors, je vous sens moyennement inspiré. Monsieur Engartner, j'ai tout à l'heure souhaité rebondir. Vous avez abordé la question de l'éthique, au fond. Est-ce qu'il y a dans tout le débat sur l'open access, est-ce qu'on touche à certaines questions éthiques? À quoi faut-il faire attention, au fond? Et la question s'adresse à toi. Alors encore, l'éthique, les journaux prédateurs, si vous voulez, ça, évidemment, il y a un problème éthique énorme là. J'ai l'impression que la transparence, si le open access génère plus de transparence, ça va nous aider à adresser les questions éthiques. Souvent, par exemple, dans les publications, on remarque une fois qu'elles sont publiées que des questions importantes, encore une fois, est-ce que les protocoles ont été bien décrits? Est-ce que le nombre d'animaux, si c'est une expérience animale, le nombre d'animaux est correct? Est-ce que les analyses statistiques ont été menées de bonne façon? J'ai l'impression, si vous avez un système plus efficace d'évaluation des manuscrits,
et la digitalisation peut nous aider à faire ça, on peut améliorer la qualité des publications. Et ça, certainement, c'est une question éthique. Si vous avez fait une expérience et elle n'a pas été faite de façon correcte ou avec la solidité nécessaire, et vous publiez, les gens vont bondir sur ces données, ils vont les utiliser, ils vont possiblement aller dans une mauvaise direction. Alors, vous n'avez pas rien perdu votre temps, vous allez faire perdre du temps à d'autres gens qui pensent que vos données sont fiables et elles ne le sont pas. Madame Bochou? Oui, je pense que le pendant de tout ce domaine de l'open access, de l'open science, c'est aussi l'éducation aux compétences informationnelles. Le fait d'apprendre peut-être aussi aux citoyens à savoir reconnaître qu'est-ce qu'une information fiable et puis quelle est sa source et dans quel contexte elle a été produite, afin de pouvoir toujours garder un esprit critique par rapport à toute cette production qu'on peut trouver justement en libre accès via Internet et qui, ben, parfois, est issue d'éditeurs prédateurs ou encore de peut-être d'éditeurs non pas sérieux ou de personnes qui sont simplement avec de mauvaises intentions. Et je pense que ça, c'est aussi un enjeu très important. Et pas seulement lié à l'open science, mais c'est un enjeu de société assez énorme. Alors justement, comme nous approchons gentiment de la... Excusez-moi, Monsieur Riss, pardon. Oui. Non, mais je pense que Madame Bochoun a effectivement mentionné quelque chose de très important, c'est que aujourd'hui on trouve énormément d'informations sur Internet, donc c'est très important qu'on explique surtout aux jeunes chercheurs où est-ce que je peux trouver des informations fiables, comment est-ce que je peux vérifier. On parlait ce matin aussi de Wikipédia. Donc sur Wikipédia, on peut trouver énormément de choses et je dois dire personnellement, je vais aussi aller voir régulièrement et puis dans certains domaines, en tout cas dans le mien, je trouve des choses qui sont bien expliquées, je trouve des exemples, des applications, mais je dis quand même aussi toujours aux étudiants de faire très attention d'où ils tirent les informations, que ce soit vraiment important que ce soit vérifié. Donc, par exemple, une publication scientifique a été vérifiée par des pairs, a été analysée par des pairs, alors que sur Wikipédia, par exemple, tout le monde peut contribuer et mettre quelque chose. Et je pense que là, c'est très important de former les jeunes dès le départ à cette thématique. Justement, on a une question et ce sera la dernière. Peut-être que Madame Dazen, vous pourrez coupler votre réponse avec celle-ci. Ce sera la dernière puisqu'on approche gentiment de la fin de ce café scientifique. Un auditeur qui nous demande si on peut considérer l'open access et l'open science comme des remparts contre les fake news. Alors, on est un petit peu dans la même thématique. Et puis, alors, fake news, on y a été alors... Dans mon domaine, le journalisme, enfin cette année Covid, c'est un terme qui revient sur toutes les sauces et sur toutes les lèvres et la question de la lutte contre les fake news. Alors justement, est-ce que l'open science et l'open access peuvent être des remparts? Est-ce qu'à l'inverse, ils font peser encore plus de risques sur la désinformation? Qu'en pensez-vous? Je propose d'entendre chacun et chacune d'entre vous brièvement sur cette question et ça fera office de mot de la fin, si vous êtes d'accord. Madame Dazen, commençons par vous. Oui, je crois qu'on l'a répété plusieurs fois, il n'y a aucun souci avec l'open access. Comme on a dit, il faut d'abord faire comprendre d'où viennent les informations, quelles sont les sources de ces informations, c'est-à-dire des revues qui ont été éditées de manière critique avec peer reviewing. Il n'y a absolument aucun souci, c'est pas parce que c'est open access que c'est mauvais. Il faut apprendre à faire la distinction entre les différentes sources d'informations, voilà. Mais l'open access en soi n'est pas mauvais. Monsieur Engartner? Je
suis avec Madame Dazen sur ce point. En théorie, oui, ça peut être un rempart. On entend que la qualité des données et la qualité des publications qui sont mises à la disposition de tout le monde soient de haute qualité. Et là encore, une fois, on retourne au point qu'il faut aussi éduquer les gens, qu'ils prennent toute source d'information de façon critique, qu'ils apprennent à douter. Dans le sens positif du mot, être critique de toute source d'information. Et si on réalise ça, avoir plus de données, avoir plus une plus grande richesse de données et de sources, c'est certainement un aspect positif, oui. Madame Bochou. Alors oui, je pense que l'open science, l'open access permet peut-être de contrebalancer toutes ces fake news et informations peu sérieuse qu'on peut trouver sur Internet. Mais comme je l'ai dit avant, ça va vraiment de pair avec une éducation aux compétences informationnelles. Et je pense que ça, c'est une des clés de notre société. Et puis, c'est vraiment quelque chose de central, ouais, au jour d'aujourd'hui. Monsieur Riss, donc une éducation aux compétences informationnelles, vous partagez cet avis ? Oui, non, mais comme je disais avant, je pense que c'est très important aussi de rester critique, même si on a devant soi un article scientifique qui a été publié dans un bon journal, ça nous empêche pas de rester quand même critique envers ce qui est publié. Ce qui est important, c'est, je pense, la transparence, ça a été dit, de mettre vraiment à disposition les données qui ont été utilisées pour la recherche ou le code source, si jamais on a développé des algorithmes, etc., pour que les gens puissent vérifier et l'utiliser par après. Et en ce qui concerne l'open access, donc il faut vraiment que derrière il y a un processus d'arbitrage sérieux, et c'est là où il faut faire attention justement avec ces journaux prédateurs. Mais avec tout ça, je pense que voilà, rester critique, je pense ça, il faut de toute façon faut toujours rester critique, même si c'est passé par un certain nombre de reviews, etc., d'arbitrage. On peut jamais éviter qu'il y ait encore une petite erreur quelque part, mais la formation justement à comment est-ce que je trouve les bonnes informations, comment est-ce que je peux vérifier si c'est des informations fiables, c'est quelque chose qui est très important, et puis ces formations doivent avoir lieu dès le départ pour les jeunes chercheurs. Je vous remercie énormément toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde, ce café scientifique. Je vous propose qu'on se retrouve, qu'est-ce qu'on va dire, d'ici une dizaine d'années et qu'on élargisse à la thématique de l'open science. Je profite pour y ressentir plutôt. Je remercie également le Nouveau Monde qui nous a apporté son soutien technique ce soir. Et bien évidemment, vous, cher e-public, de nous avoir fait partager votre expérience, de nous avoir posé des questions très intéressantes. Il est 7h30, nous allons clore ce café scientifique, mais la discussion n'est bien évidemment pas terminée, donc nous vous invitons à continuer à poster vos commentaires sur Facebook. Et puis, sachez que ce café scientifique sera disponible en rediffusion sur la page internet de l'Université de Fribourg et sur la page dédiée au café scientifique à partir de la fin de la semaine. La vidéo devrait être en ligne. Et nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux le 27 février pour la prochaine édition de ce café scientifique. Et il est présenté à l'occasion d'un anniversaire qui est tout particulier, c'est celui des 50 ans du droit de vote des femmes. Toutes les informations sur Facebook, sur le site internet, bien sûr, des cafés scientifiques. À toutes et à tous, je vous dis belle soirée, une excellente fin d'année, bien évidemment. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.